Bonjour, je suis Claire, formatrice dans le domaine de l'audiovisuel et j'anime régulièrement des conférences en ligne. Pour moi, l'accessibilité numérique est essentielle. J'ai donc besoin d'une solution qui retranscrit en direct mes propos. J'ai découvert Otot Live qui répond à ma problématique. Otot Live est une application en ligne qui permet de transcrire et traduire automatiquement tout type de contenu audiovisuel en direct. Ma conférence va bientôt débuter. Je vais vous montrer comment lancer un live. Assurez-vous que les paramètres de votre micro soient correctement configurés. Une fois que tout est OK, je me rends sur otot.live et je me connecte à mon espace privé. Je crée un nouveau live. Pour cela, je dois renseigner le titre que je veux donner à mon live. La deuxième étape consiste à sélectionner la langue parlée. J'ai également l'option de traduire automatiquement mon live. Dans mon cas, certains des participants sont anglophones. J'indique donc la langue cible. Trois phases de configuration du système sont nécessaires pour ouvrir un serveur live. Je dois valider le certificat d'authentification du serveur afin de sécuriser mon contenu. Dernière étape avant le lancement, il faut valider les paramètres. Ici, je dispose également d'options avancées pour l'affichage de mon live. Mon navigateur est prêt, je peux commencer mon live. Bonjour à tous et à toutes, nous avons 2 heures devant nous. Je vous propose d'aborder le fonctionnement de la chaîne technique audiovisuelle. Avant de rentrer dans le détail, voici les différents points que nous allons traiter. Les éléments de base de la vidéo, la numérisation du signal, les signaux vidéo, les liaisons numériques et enfin les principes de compression. Merci à tous de votre participation. Je vous envoie mes slides et la transcription de cette conférence. À la semaine prochaine. Voilà, ma conférence est terminée. Je sauvegarde mon live dans mon espace personnel. J'exporte la transcription et la traduction de mon live pour l'envoyer aux participants. À vous de jouer !